Voici le rappel de quelques formules fondamentales du circuit électrique simple. La tension électrique U s'exprime en volts. L'intensité électrique I du courant électrique se calcule par la quantité de charge électrique qui traverse le conducteur par unité de temps et s'exprime en ampères. Selon cette formule, un ampère, c'est donc la même chose qu'un coulomb divisé par une seconde. La résistance électrique grand R s'exprime en ohms. Ces trois notions, tension, intensité et résistance, sont liées par la loi d'Ohm qui dit que la tension U est égale à la résistance R fois l'intensité I. Au point de vue unité, ça signifie donc que 1 volt, c'est la même chose qu'un ohm fois 1 ampère. L'énergie électrique grand E se calcule par U fois I fois T, donc par la tension fois l'intensité fois le temps. Au point de vue unité, ça signifie donc que 1 joule, c'est la même chose qu'un volt fois 1 ampère fois une seconde. Attention à cette égalité-là, elle livre le lien entre des unités mécaniques, joules et secondes, et des unités électriques, volts et ampères. La puissance P se calcule par énergie divisée par le temps, donc en vertu de cette formule-là, par U fois I. L'unité d'une puissance, c'est watt, et selon cette formule-là, un watt, c'est la même chose qu'un joule divisé par une seconde.